Salut les amis, c'est Kainda, c'est parti pour la suite de classe 2. Mercredi, tout ce qui est mystère devient démon. Bon voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ne me demandez pas. Je vous jure, aïe. Comme vous voyez, là je suis plein d'énergie pour continuer. Ah, j'ai chargé mon truc pour rien en fait. Viens. Montre. Oh bah, c'est pas grave. On peut se cacher dans l'arbre. Oh là là. Laissez la femme tranquille. Bah. Mon dieu, mais les portes s'ouvrent pas, hein. Je sais pas pourquoi. Mon dieu, Blake. Tu vas bien? Non. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Oh merde, ils vont partir. Hey. Mais attends-moi, Lynn. Lynn, où est-ce qu'on va? N'importe où. Mais restons pas ici. D'accord. Comme tu veux, je te suis. Ah oui, c'est mignon, je lui tiens la main. C'est mignon, il se tient la main. Qu'est-ce qu'il y a? Mon ventre. J'ai mal. Ah. Il y a quelque chose qui va pas. Merde. Ah. Je crois qu'on t'a... On t'a mis en coque, ma petite. Désolée de dire ça, mais c'est vrai, ma petite, t'es en coque. Je dois m'arrêter. T'es en coque, alors... J'ai juste besoin. Oh, mon dieu. Portel de merde, Lynn. Qu'est-ce qui se passe ici? Je croyais que t'étais mort. Quand t'es tombé, je croyais qu'on était tous morts. Tout va bien. Je suis là. Tout va bien. On va sortir d'ici, ok? Oh non. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça. Bah, ils m'ont mis en coque. Tu vois que je t'ai dit quoi? Je t'en prie, Blake. Ne me pose pas de questions. Ils arrivent. Ils arrivent. Notre foi a été confirmée. La femme venue du monde extérieur en ce jour. Un petit. Pauvre gadi. C'est vrai que c'est pas bien d'être une fille parfois. Je dis ça, je dirais, mais c'est. Il est fou. Ils sont tous tarés. Lynn, je t'en prie. Blake, je veux juste quitter cet endroit. Est-ce que tu es sainte? Bordel, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas. Pas maintenant. T'es en coque, là, dans cet endroit. Je t'en supplie. Ok. D'accord. Le diable de son ventre et écrasez-le sous vos talons. La révélation est à nos portes. Et comme les anges, nous ne devons montrer aucune pitié. Oh mon dieu. Allez-vous-en. Nous allons être très doux. Je jure devant Dieu que le premier qui me touche, lui crève les yeux. Dieu veut l'enfant. Non. Non. Dieu nous appartient maintenant. Dieu veut l'enfant. Laissez-le. Dieu veut l'enfant. Non. 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 Laissez ma chérie tranquille, son rouge, je vais... Non. Tout nous tuer. Pourquoi là, la peau? Ah, pas de viol hein, devant moi, s'il vous plaît. Les enfants. Non, ma pauvre. Ah, c'est quoi ça? Ah. C'est qui elle? Dieu sauve ton. J'ai regardé mon père baiser ton dieu. Oh, yo, les paroles, s'il vous plaît. C'est des psychopathes, je te jure. Merde, Lynn. Blake. Tout va bien, petite. Me la tue pas. Je te promets, je vais te mettre un bâton. Tu vas voir où je... On va aller dire. On respecte les gens qui regardent. La vie, c'est bon. J'ai mon amour avec le père. Regarde, sa tête est horrible. On dirait un hérisson.
Bonjour. Madame. Ne t'aime pas. Pas comme je t'aime. Ah ! Ah ! Sale chienne ! Ah ! Regarde-moi le chien, sale chienne ! Ah ! Prochaine fois, je vais mettre de la merde dans la... dans le visage, comme ça, tu... quand tu lâcheras, tu auras un goût bizarre. Ah ! Petite mère est là. Je pense qu'on se reverra. Sale chienne, va. Ah, sale chien. Désolée pour vos oreilles, je vais arrêter de crier. Mais... ah, ma niche. Lynn! Mon Dieu. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi ils ont appelé hérétique. Ils ont appelé Lynn mère. Et il n'y a pas que la secte. Il y a deux camps. Les chrétiens et... et autre chose. Ok. Je savais pas ce que j'ai fait. Je me suis cru dans un jeu où je pouvais me cacher. Mais bon, ça a pas marché. Bon, c'est pas grave. Hein. Mon Dieu! Oh, Seigneur! Qu'est-ce que c'était que ça? Ils les ont appelés hérétiques. Ils ont appelé Lynn mère. Et il n'y a pas que la secte. Il y a deux camps. Les chrétiens et... et autre chose. Deux camps, les chrétiens et autre chose. Deux cons, les chrétiens et autre chose. Il a dit ouais, ok. Chaque fois, je sais pas, je suis silencieuse parce que je suis concentrée et pas pour me faire attraper. Allez, casse-toi, laisse-moi en paix. Les païens, les gentils et les pharisiens. Ouais. Seul à avoir des oreilles.
j'ai rien compris, mais bon. Je suis morte, j'ai rien compris, je vous jure. Je crois que dans Outlast 2, je vais faire que mourir en fait. Je vous jure, je vais faire que mourir en fait. Dans Outlast 2, oh non, mais ça va. Vous allez me voir. Bon, ça là-bas. Oh là là, on va faire que se cacher, hein. Ok, ça m'a surpris. Mais qu'est-ce que... Je rêve. Ou j'ai perdu la tête. T'es chiant là? J'ai une classe. La classe de musique? Une classe de musique, ok. J'étais dans un truc bizarre, je suis dans un monde et là je suis dans un autre monde. Ouais. Je suis désolé de devoir faire ça. Tu aurais dû m'aimer. Tu aurais dû m'aider. Bon sang, pardonne-moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement désolé. Jessica. Jessica? Eline? Quand nous étions... La classe de musique? Oh merde. Je suis de retour en quatrième. Ça pourrait pas aller plus mal. C'est qui Jessica? Ok. Responsabilité. C'est qui?
On n'a pas envie d'y aller en fait. J'aime pas ça. C'est ça. Bah là, là je disais ça. C'est quoi en fait? Toi, t'as l'air gentil. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ethan. Je veux dire, êtes-vous l'un d'eux? Dans quel camp êtes-vous? Vous voulez savoir pourquoi j'essaie pas de vous tuer? Je suis... encore un être. J'en ai trop vu pour garder la foi. Mais vous n'êtes pas avec les autres, hein? Les hérétiques. J'ai rien dit quand ma femme a eu la dalle. On a dû la chasser. J'ai rien dit qu'en note. Ok. C'est mais mec, sur ma vois tout le c'est normal. Elle a à peine 15 ans. Oh, je suis désolé. Mais quand il a voulu mon petit-fils, le bébé qu'il a planté dans le ventre de ma fille, qui devait être l'antéchrist, j'ai dû l'éventrer et tuer l'enfant. C'est flou! Je lui ai donné une chance de s'enfuir. J'ai baratiné ces crétins. J'ai toujours su quoi dire. Vous avez peut-être déjà remarqué. Jinto. Quoi? Votre fille. Elle était enceinte de 8 mois. Des cheveux blonds coupés courts. Oui. Qu'est-ce que vous savez? Vous l'avez vue? C'est pour elle que nous sommes venus ici. Est-ce qu'elle va bien? Je vous en prie. Monsieur, dites-moi qu'elle va bien. Elle va bien. Oh, Dieu merci. Oh, Dieu merci. Et que Dieu vous bénisse. Venez, vous feriez mieux d'entrer. Oh, oh, oh là. Vous vous êtes vraiment fendu la tête, pas vrai? Oui, ça va aller. J'ai un... Descendez dans la cave. J'ai un lit en bas. D'accord, merci monsieur, vous êtes hyper gentil. Je vous aime. Tout va bien. Détendez-vous, je vais vous protéger. Reposez-vous et prenez des forces. Ethan va s'occuper de vous. Tu veux que je dors comme un clochard? Bon, c'est pas grave, bah, bonne nuit alors. Merci monsieur, ça fait grave plaisir pour mon perso. Nage, il avait besoin de dormir, tout ça, tranquille.
bonne nuit. Hein. S'il te plaît, Blake. Où es-tu? J'ai peur. Nous ne sommes pas seuls. Il arrive. Je ne cache rien. La vertu ne peut pas passer dans le sang par les reins, mais par le sang de ton cœur. Je connais bien l'évangile de papa. Je l'ai copié 100 fois. Si je savais où était l'étranger... Le prophète n'a pas besoin de 3 pour trouver la putain du diable et son débauché. Ne t'interroge déjà d'autres hérétiques à la chapelle. Dieu va le quitter. Non, laissez-le. Lorsque tu as refusé ta fille au prophète, tu as péché depuis pour le nier. Non, s'il te plaît, tu peux aider ma fille. Où est l'étranger? Sa semence a engendré notre ennemi. Dieu et le prophète veulent son sang. Laisse-moi parler à Nott, je peux tout expliquer. Dieu n'écoute pas les morts. Fais pénitence. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ton du diable. Oh putain. J'espère que t'as retrouvé ta fille. Oh, c'est un amour. Il m'a protégé, c'est un amour. Vous savez quoi, les amis, j'ai déjà peur de la femme qui l'a tuée. Je crois qu'on va l'arrêter. Là, j'ai la flume de quand tu... Et c'est du sang, ça. Sève, elle fait bordel, hein. Bon, on va s'arrêter là en fait. La femme elle m'a fait trop peur là, j'ai pas envie de continuer en fait. Putain, le mec c'était un amour, il nous a protégés, il nous a rien dit, il nous a pas balancé qu'on était là et c'était un amour. Putain, il avait un bon cœur. Mais bon, il a pas survécu très longtemps. Bon, en tout cas, je suis dégoûtée, le pauvre. Un amour, il était gentil et tout, et voilà, il nous a protégé, c'était bien. Mais bon, je crois qu'on va s'arrêter là en fait. J'ai des frissons. J'ai des frissons, j'ai froid et tout. Elle me fait trop peur, cette dame là. Oh là là, putain, c'est une bâtarde. Elle a tué le mec qui nous avait sauvé et tout. Oh, putain, je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave. Oh putain, j'ai froid maintenant. Ah, je vous jure, j'ai froid. Bon, désolé, mais bon, j'arrête là. Je continue. Je ferai une vidéo si je peux. Ouais, mercredi prochain, si je peux, bien sûr. Bon, en tout cas, je vous dis merci de regarder cette vidéo. Likez si la vidéo vous a plu. Et je vous dis au revoir, les amis.